Yeah. Salut les amis de Nature Santé et bienvenue sur notre chaîne YouTube qui s'intéresse à la santé au naturel, à votre bien-être et aux astuces. Avant de vous présenter le sujet d'aujourd'hui, je vous prie premièrement de vous abonner à notre chaîne Nature Santé et surtout d'appuyer sur l'icône en forme de cloche située à côté du bouton abonné afin de recevoir des notifications chaque fois que nous posterons une nouvelle vidéo en ligne. Si c'est fait déjà, je vais vous parler aujourd'hui de cette succulente recette délicieuse en 15 minutes, beefsteak au beurre, citron et ail avec spaghetti de courgettes. Vous n'avez pas le temps de préparer un bon plat équilibré. Vous en avez assez des plats surgelés. Voici la recette d'un plat vite fait bien fait, qui combine facilité et saveur sans oublier les bienfaits de ses ingrédients. La courgette, la viande rouge, le citron et l'ail sont les principaux composants de ce délicieux plat. 15 minutes est le temps qu'il faut pour préparer ce plat savoureux que vous ne risquez pas de rater. Une marinade fraîche, des nouilles de courgettes et du steak sont les ingrédients d'un repas rapide à faible teneur en glucides et dont tout le monde va raffoler. La marinade est à base de citron et huile d'olive, elle va aider à attendrir le steak tout en relevant le goût des nouilles de courgettes. Vous pouvez préparer cette recette en hiver comme en été. À vos fourneaux les chefs. La liste des ingrédients. 650 g steak de flanc tranché contre le grain. 4 courgettes de taille moyenne. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. 4 gousses d'ail, émincées. 2 cuillères à soupe de beurre. 1 citron, jus et zeste. 1 quart de tasse, 60 ml, de bouillon de poulet faible en sodium. 1 quart de tasse de persil haché. 1 quart cuillère à café de flocons de piment rouge broyé. Sel et poivre concassé frais, au goût. La marinade du steak. 1 tiers de tasse de sauce de soja faible en sodium. 1 quart de tasse de jus de citron. 1 demi-tasse d'huile d'olive. 1 cuillère à café de sauce piquante. La préparation. Mélangez les ingrédients de la marinade dans un récipient hermétique ou un sac en plastique sous vide. Ajoutez les lanières de steak dans la marinade, fermez et laissez mariner au réfrigérateur pendant 30 minutes à 1 heure. 2. Pendant ce temps, lavez et coupez les extrémités des courgettes. À l'aide d'un spiraliseur, préparez des nouilles aux courgettes, puis mettez de côté. 3. Ramenez le steak à la température ambiante et faites chauffer l'huile dans une grande poêle à feu moyen vif. Réservez le jus de la marinade pour plus tard. Ajoutez les lanières de steak en une couche et assaisonnez de sel et de poivre. Laissez cuire 3 minutes sans remuer. 4. Ajoutez l'ail émincé, puis remuez le steak pendant 2 à 3 minutes pour cuire l'autre côté. Retirez le steak de la poêle et mettez-le dans une assiette. 5. Dans la même poêle, ajoutez le beurre, le jus et le zeste de citron, les flocons de piment rouge, le bouillon de poulet et le jus de marinade restant. Laissez mijoter pendant 2 à 3 minutes en remuant régulièrement. 6. Incorporez le persil frais, puis ajoutez les nouilles de courgettes et mélangez pendant 2 à 3 minutes pour bien cuire le tout. Laissez réduire le jus de cuisson pendant une minute ou plus, tout dépend si la courgette produit trop d'eau ou pas. Ajoutez les lanières de beefsteak dans la poêle et remuez pendant une minute. Servez immédiatement. Bon à savoir. Vous pouvez également cuire votre steak en entier à la cuisson désirée, le laisser reposer quelques minutes, puis le couper en lanières. Les courgettes ont tendance à produire beaucoup d'eau lors de la cuisson. Vous pouvez donc les saupoudrer de sel après les avoir coupés et laisser reposer pendant quelques minutes pour éliminer l'excès d'eau. Bien rincer pour éliminer le sel et bien égoutter dans une passoire avant la cuisson. La courgette ne contient aucun gras et elle est riche en eau et en fibres. Elle contient également des quantités importantes de vitamine B6, de riboflavine, d'acide folique, de vitamine C et de vitamine K, ainsi que des minéraux, comme le potassium, le calcium et le magnésium. Dans l'art culinaire, le steak de flanc ou la bavette est un steak qui a été coupé au niveau des muscles abdominaux ou dans la partie inférieure de la poitrine de la vache. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Bonne dégustation.
C'est tout pour aujourd'hui, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. À bientôt pour notre prochaine vidéo.